passer à travers le parc nous a fait gagner du temps, bon sang. Vous deux, allez-y. Je vais me garer quelque part. Les prix de l'effort humanitaire se voient chaque année décernés à ceux qui ont accompli un exploit envers toute l'humanité. Ce gala devrait attirer les plus prestigieux leaders du monde ici même à Empire City. Excusez-nous. Ben, regarde, c'est le prince Charles. Et Nelson Mandela. Nelson! Hé, j'ai fait de la tôle également. Un de ses invités est le sablier. Mais lequel? C'est gentil de votre part de nous inviter, monsieur Landers. Eh bien, quand on est honoré par le monde, on veut sa famille prenne soin. Peut-être bien qu'un jour, vous ferez partie de notre famille, vous aussi. Accueillons maintenant le premier prix pour la percée médicale de l'année. Pour son travail vraiment novateur dans la sphère de l'hygiène féminine, je suis heureux de remettre à Lou Landers le trophée de la douche vaginale de l'année. J'aimerais que vous m'aidiez à déterminer qui ça peut bien être. N'importe qui, c'est peut-être même un hôte, l'invité d'honneur, même un technicien de la scène. C'est peut-être pas notre homme, mais j'ai aperçu quelqu'un qui semblait cacher sur lui ce qui pourrait être un contenant de céryllium. Qui ça? Cette année, le trophée du plus grand accomplissement humanitaire sera remis à l'une des plus belles âmes qui soit, sa sainteté. Le Dalai Lama. Lâchez-moi. Tom n'est pas celui que vous croyez qu'il est. C'est le sablier. Moi, je suis un homme de paix. Faire. Vous voulez tuer tous ces gens et je suis même prêt à le prouver. Montrez au monde cette armure que vous cachez sous ces robes. Vous ne mourrez pas, sablier. Il y a bien 6 kilos de céryllium là-dessous. Costume de son bandit ou héros préféré. En passant, vieux, ton costume, c'est nul. Excuse-moi, on fait la fille. Non, non, tu le tues pas de la bonne façon, c'est comme ça. Non. Mieux. Yeah.
tir à balle. Arrête ton cirque, libellule. Tu arrives trop tard. Sauvez-vous. Tu vas le garder ou je peux peut-être... Libellule, vous n'allez pas détruire le sablier. Mais non, je ne sais pas voler. S'il y a une leçon que la vie m'a apprise, c'est que l'esprit est plus fort que le corps. L'héroïsme vient de l'intérieur. C'est ce que Céline dit en chante, non? Peu importe, c'est quand même la vérité. C'est vrai. Ça fonctionne! Désolé. Regarde, libellule, ta ville qui s'éteint! Sauver la fille que j'aime. Mais on est en chute libre. Merde. Faudrait que je vole. Cet édifice est vachement haut. Tu vois, moi je pense que j'aurais dû faire des choses normales comme enseigner la chute comptable. Cet édifice est drôlement haut. Rick, écoute, je me fiche de mourir ou pas. Si c'est le cas, alors je vais mourir entre tes bras. Tu es mon héros, Rick Drucker, et je t'aime tant. Génial! Il ne restait que 50 étages à franchir. Tiens bon! Merci, Libellule. Grâce à vous, notre ville est enfin en sécurité. Vous l'avez dit, Dr. Hawking. Mais... Ah, bien trouvé son compte. Je vous invite à dîner. Je meurs de faim. Je suis Rick Riker. Je suis la libellule. Et tant qu'il y aura des crimes et de l'injustice, je serai toujours un super-héros.